Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans ma toute première vidéo pour vous faire un point lecture de mon mois de mars. Alors c'est ma toute première vidéo, alors donnez-moi des avis, des conseils, et voilà. Alors il y a des mois où je lis beaucoup, des mois où je lis peu, donc ce mois-ci c'est un mois où j'ai beaucoup lu. C'est-à-dire que j'ai lu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livres. Entre les livres que j'ai dû lire au collège ou les livres que j'ai dû lire en 2 jours, ça allait très vite. Donc j'ai commencé directement par le premier qui me vient. Alors c'est... Désolée, vous voyez à l'envers. C'est 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole aux éditions Hachette Roman. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé déjà. Donc je vous dirai pourquoi après, je vous donnerai mon avis. Je l'ai lu en... 4-5 jours, j'aurais lu plus vite si ça aurait été moins triste. Parce que à partir du moment où c'était triste, je lisais qu'un chapitre, quoi. Donc en fait, vite fait, c'est l'histoire de Poppy et Rune qui sont en couple depuis qu'ils sont tout tout petits. Désolée. Et un jour, Rune va partir dans son pays natal, donc la Norvège, pour le métier de son père. Donc ils restent en contact et puis au bout de quelques mois, Poppy ne donne plus de nouvelles. Elle a apparemment déménagé près de sa tante malade. Mais quand Rune rentre, il va s'apercevoir qu'en fait c'est faux. Elle est dans son lycée, tout va bien. Il est rentré 2 ans plus tard. Hein. Et en fait, il va se rendre compte que il va essayer de savoir pourquoi Poppy a fait ça. Et quand il va savoir la vérité, ils vont se battre pour ça. Alors, 1000 baisers pour un garçon, c'est quoi? Enfin, c'est quoi? Pourquoi ce titre? Simplement parce qu'en fait, au début du livre, Poppy a une grand-mère auquel elle tient beaucoup, avec laquelle elle vit beaucoup d'aventures. Et elle va lui demander, donc, avant de mourir, elle va lui dire, fais comme moi, remplis ce bocal de bisous, de tes meilleurs bisous avec l'homme que tu aimes ou les hommes que tu as aimés. Les meilleurs bisous, tu les notes et tu les diras à tes petits-enfants. Et quand elle a appris ce malheur pour lequel elle a arrêté de parler à Rune, Rune lui a promis de lui remplir son bocal avant ce moment fatidique. Donc je peux pas trop en dire plus, mais c'est un livre vraiment que j'ai lu, donc comme je vous l'ai dit, en 4-5 jours, qui fait 277 pages à peu près. Donc déjà les couleurs, voilà, ça m'a fait vraiment craquer. Et donc, je crois que ce livre-là, je l'ai acheté au Leclerc. Voilà. Et j'ai pas le prix. Si j'ai le prix, 16,90 €. Donc c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, comme je vous l'ai dit. Je me suis très attachée au personnage. Quand Rune est revenue, qui s'est éloignée de Poppy, qui l'a embrassée, Avery, je crois que c'est ça son nom. Mais par contre, je suis pas sûre que ce soit Avery. Je crois que c'était Avery, mais je suis pas sûre du tout. Enfin bref, voilà, il me semble que c'est ça. Et c'est vraiment... on a envie qu'ils reviennent ensemble, quoi. Il vient à peine de rentrer, on dit... allez, quoi, vas-y, retourne avec elle. Tu t'en fous, vous êtes... vous êtes... récemment parlé pendant 2 ans. Je m'en fous. Voilà. Voilà, donc ça, c'est un livre que si je devrais donner une note sur 10... 8. 8 sur 10, ouais. Ça vaut un beau 8 sur 10. J'ai 15 ans d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, donc pour les personnes un peu plus âgées, peut-être que les livres ne seront pas pareils pour vous, les avis. Donc voilà. Et je ferai sûrement cette vidéo en 2 parties parce que 12 livres, j'ai pas beaucoup d'espace dans mon téléphone. Voilà. Deuxième livre, c'est un livre que j'ai dû lire pour l'école, donc c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand aux éditions Pocket. Qui a coûté 1,50 € qu'on a acheté à l'école. Donc Cyrano de Bergerac, c'est vite fait, c'est l'histoire donc de Cyrano qui est amoureux de Roxane. En fait, ce livre-là, j'ai bien aimé, mais enfin, je vous dirai mon avis après. Amoureux de Roxane, il fait partie d'un service militaire avec lequel il va rencontrer Christian. Et en fait, Cyrano, il a beaucoup, enfin, il a beaucoup de puissance, on va dire, tout le monde, enfin, pas tout le monde l'adore, justement, mais tout le monde le déteste, vraiment, enfin,
c'est difficile. Il y a les personnes qui le détestent et les personnes qui sont vraiment fans de lui. Et ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de battre ses ennemis, pas avec un combat. Enfin, si, il fait un combat, en fait. Mais avec... j'ai perdu mon mot. Avec éloquence, voilà. Donc, éloquence, c'est l'art de bien parler. Et en fait... il va y avoir donc Christian qui va arriver et la jeune femme, donc Roxane, est amoureuse de Christian. Cyrano, quand il a appris ça, il est dévasté. Et en fait, il va trouver ce garçon comme un ennemi. Et j'ai vraiment adoré le passage où en fait, il va... Quand il a appris que Roxane aimait Christian, quand il va à sa rencontre, parce que Christian est entré dans le service militaire de Cyrano, j'ai vraiment adoré ça. Et pourtant, il avait promis... à Roxane de protéger ce petit gars parce qu'en fait c'est un faible gaillard, du coup elle lui a dit oui Cyrano tu peux le protéger, et en fait il fallait qu'il le protège de lui-même quoi. Et voilà, c'est vraiment un livre vraiment pas mal, donc une pièce de théâtre d'à peu près, je vous dis à vraiment à peu près parce que je regarde pas le pile, 283 pages. Voilà. Désolée. Ensuite j'ai lu un livre que j'ai eu à mon anniversaire par ma sœur, qui s'appelle Fairy Wack. Donc c'est le tome 1. Oula, vous voyez un peu sombre, je suis désolée. Je suis à contre-jour en fait. Oula. Voilà. Donc c'est un conte de fées. Donc c'est la créatrice de Witch qui l'a fait, c'est-à-dire Elisabetta Gnon. Désolée si je ne connais pas trop les auteurs, parce que je ne connais pas du tout en auteur. Et là, je vois pas vraiment bien. Donc, c'est le tome 1, Le secret des jumelles. Donc, je compte acheter les autres tomes. Donc, je crois qu'il n'y a que le deuxième de sortie. C'est en fait l'histoire de... c'est un peu compliqué à expliquer. Donc, déjà, il y a des magnifiques illustrations. Hein. Enfin, franchement, ça monte une page. Voilà. Ou alors, en plein milieu des chapitres, il y a des genres d'images comme ceci. Voilà. Donc, c'est l'histoire de deux sœurs. Donc, je ne sais plus leur nom, ça fait assez longtemps que je l'ai lu, je crois que je l'ai lu dès mars. Et je ne sais déjà plus leur nom. Oh là là là. En fait, à Fairy Wack, c'est un pays. Enfin, je ne sais plus si c'est un pays, je crois que c'est un pays. C'est un village, pardon. où les fées et les sorcières s'entendent bien. Les fées sont les nounous des petites sorcières. Et donc là, c'est le cas. Donc, il y a. Donc, Félie est la nounou de. Comme ça, des jumelles, donc qui s'appellent Vania et Pervinka. C'est leur nounou, et en fait, elle va les garder, mais il se passe quelque chose, en fait, c'est que ces deux jeunes filles n'ont pas de pouvoir, en fait, jusqu'à je ne sais plus trop quel âge. Et à partir d'un moment, d'un certain âge, si elles n'ont pas leur pouvoir, elles vont devoir... c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais de pouvoir et leur maman est très très inquiète, elle a très peur pour elles, jusqu'au jour où elle apprend que l'une de ses filles, alors laquelle je ne sais plus, je crois que c'est Pervinka, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, l'une des deux va voler en fait, et ça fait longtemps qu'elle vole, mais elle l'avait jamais dit parce qu'elle trouvait ça normal. Et quand mademoiselle Félie a dit ça, elle a été directement dire à la maman des deux jeunes filles, mais la maman était pas très satisfaite parce que l'autre de ses filles, sa deuxième fille, elle avait donné aucun signe. Jusqu'au jour, en fait, où il y a un terrible événement qui arrive, qui va bouleverser Fairy Wack, qui veut détruire un peu le monde magique et la paix dans ce village. Et qu'on va apprendre qu'en fait, que les deux sœurs sont le jour et la nuit, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est là, le pouvoir, pas gentil méchant, mais le pouvoir de la sagesse et le pouvoir de la violence, on va dire, et qu'elles vont s'entraider. Voilà. Donc c'est vraiment un livre super bien qui fait environ oula, il fait environ 343 pages. Alors si je devais donner une note à ce livre, ça serait 7,5, et pour Cyrano de Bergerac, je donnerais 7. Voilà. Ensuite j'ai lu un autre livre, donc je pense que ça va être le dernier que je vais présenter dans cette partie là. J'ai lu Après le voyage scolaire de Moni Nilsson Brännström, qui a été publié aux éditions Iguane, qui est un livre qui m'a été offert par ma sœur, qui est l'histoire
de Maline qui a fait un voyage scolaire en sixième et elle a rencontré là-bas Rasmus dont elle est tombée folle amoureuse. Et il va se passer beaucoup de choses parce qu'en fait Maline est un peu la risée, pas du collège mais du groupe d'amis de Rasmus, notamment d'une fille, je ne sais plus son nom non plus. Désolée, notamment d'une fille de son groupe qui est folle amoureuse de Rasmus aussi et qui va tout faire pour pas qu'ils sortent, enfin pour plus qu'ils sortent ensemble. Mais en fait, je peux pas trop vous dire grand-chose sur ce livre. Il m'a plu, on va dire, mais pas tant que ça. C'était un peu, je tourne en bourrique en fait. Mais c'est un livre qui parle de beaucoup de problèmes dans la société, c'est-à-dire les filles qui essayent d'empêcher les couples. Les garçons un peu efféminés qui subissent ces critiques, les parents divorcés, le père violent, un peu tout ça, et les inégalités entre frères et sœurs, l'amitié, l'amour. Il y a vraiment beaucoup de problèmes, et ça, j'ai vraiment adoré ça dans ce livre, c'est vraiment super. Donc, c'est un livre qui fait à peu près 273 pages. Je lui donnerai une note de 6 sur 10. Voilà. Donc, voilà, donc je vais vous dire. On se rejoint dans la partie 2, donc il reste encore 3, 6, 8 livres. Je vais vous dire les titres, comme ça c'est fait. Donc il y a Lycée août de Claire, Lycée août, Lycée à août de Claire Loup, désolé mon accent. Le roi se meurt de Ionesco. Maman doit t'abandonner de Casey Watson. La ferme des animaux de George Orwell. Vendredi ou la vie sauvage de Michel Tournier. L'accro du shopping attend un bébé de Sophie Kinsella. Antigone de Jean Anouilh. Et Ne dis rien à maman de Sarah Preston. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous demande de partir dans la partie 2. Bye bye!